Bon matin, bonne Saint-Valentin. Ouais, c'est la Saint-Valentin. Je te gâte un matin, je te paye un café. Comment tu dis ça? Je te gâte un matin, je te paye un café pour mon friend. Ben oui, go. On est arrêté au Tim. Je vais vous montrer là-bas. Puis, non, c'est même pas muffin, je me suis acheté un croissant au fromage. Ouais, la Saint-Valentin. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour se dire je t'aime. Fait que là, c'est ça. Il est 8h53. Là, on s'en va à Libreville. L'endroit où mon chum travaille. Je vais vous filmer ça un peu là-bas. Je vais essayer de vous montrer ça si je peux. Normalement, je devrais, puis je vais vous montrer. Ah, il y a tellement des beaux paysages par là. Il y a une place, ça, c'est tellement beau. Puis aussi, c'est ça. On va chercher, parce que dans le fond, lui, il a fini de travailler cet automne, mais depuis ce temps-là, il cherche une paire de chaussures. Fait que d'après lui, il s'est oublié là, puis on va aller, c'est ça, on va aller faire un tour là, puis on va aller dîner là en même temps. Fait que je vais vous parler tantôt. C'est pas magnifique un peu? Ah, je pourrais même sortir. Ah non, mais c'est comme autant que tu sors pas. Regardez. C'est magnifique. C'est quelque chose. C'est toute l'eau hein, qui coule. Il y en a jusqu'à là-bas. Ah, pour ta vie. Ah, t'es où? C'est vraiment beau. Bon, ça s'en vient. Regardez les montagnes là-bas. L'été, là, en tout cas, c'est majestueux. C'est tellement beau. Hey, on est haut, là. En deux. Regardez. Alors venez, je vais essayer de en trouver une. On cherche l'autre. Mais quand même, elle serait donc bien loin. Ah non, c'est difficile, c'est obligé à cette famille. Il est promené partout. Oh, on les a trouvés deux. Bon, c'est ici qu'ils travaillent. Sur le point vaisselle. Les tables. Le coin café. Ah, pas marqué mon tour. De quoi? Ils ont enlevé la grosse cafetière. Ah, ben oui, moi je trouvais aussi qu'il y avait de quoi changer. Ben mieux de même, est-ce que? Ça allait quand même. Ben mieux comme ça. Leur coin de serre. Puis si on va par là. Ouais, c'est ça, il y a les fours. Ça, c'est pas trop avancé, puis pas de filet à la tête. C'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est leur coin louange. Ils ont leur viande froide ici. Le beurre, du café, ils ont le toaster. Ouais, ils ont tout ce qu'il leur faut. Dans ça, je fouille. Ouais, dernier. Ah, je cherche le pain. Putain, ouais. C'est sûr, je pense qu'ils viennent faire un sandwich ici avant de partir pour aller travailler. Les travailleurs. Bon, on est revenu de Libreville. Puis là, ben, on est dans un endroit privé, secret, notre chambre à coucher.
J'ai décidé de vous y apporter parce que dans le fond ici, c'est ici que je voudrais que je conserve mes souvenirs les plus. Ben, nos souvenirs les plus précieux, puis des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Hein. Fait que je vais vous montrer ça, vu que c'est la Saint-Valentin, puis que ça, notre chambre à coucher. Fait que je commence. Je vais prendre la lumière pour que vous voyez mieux. Dans le fond, je vais vous montrer juste les choses qui nous tiennent vraiment, vraiment à cœur. Ben, qui nous tiennent. Premièrement, j'ai cette rose éternelle. Ça, cette rose-là, c'est la rose que j'avais offerte pour les funérailles de ma marraine. Puis là, elle était dans un verre, dans un pot en verre. Puis mon pot, il a cassé, fait que j'ai été obligée de la mettre dans une chose comme ça. Puis j'ai mis du saran wrap par-dessus pour pas que la poussière entre dedans. Ouais, ça me tient vraiment à cœur. Ensuite, ici, j'ai une photo de Cindy. Avec 4 ans. Ah, 3 ans, ouais. 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Puis, j'ai Cindy Pimili ici. Encore là. Ensuite, j'ai ce meuble-là. C'est un vieux meuble antique que mes parents avaient. Dans le temps que j'avais peut-être 10-12 ans. Mais c'est encore plus vieux que ça. Mon chum, il l'a tout décapé. Je pense qu'il y avait pas moins que 5-6 couches de peinture par-dessus. Puis leur vernis. Ensuite, il y a ce coin-là. Ça, c'était un coin à mon chum. Ça, c'était un grand ami qu'on avait, Jean-Roch, qui est décédé. Puis son papa. Ça, c'est sa dernière bouteille de parfum. Puis d'ailleurs, mon chum, c'est ce parfum-là qu'il met. Sent tellement bon. Ensuite, ici, il y a des cartes de fête et de Noël que les enfants avaient. Puis là, ici, cette photo-là. Mon beau-père et ma belle-mère. Un cadre. Puis, il y a ça. Cette jetée-là, je pense que je vous l'avais déjà montré. Mon chum m'avait offert ça. Bien, je suis dans la chambre! Mon chum nous avait offert ça à notre 10e anniversaire de mariage. Ensuite, il y a cette photo-là, à notre 10e anniversaire de mariage, ouais. En même temps qu'il m'avait donné la jetée, cette année-là, là, avec les filles. Là, j'ai Noémie puis Elliot. Puis, il y a ces couteaux-là. C'est les couteaux préférés, ben, pas préférés, mais... Ouais, ben, presque préférés. Une partie des... La collection de couteaux à mon chum. C'est un fanatique de couteaux. Fait que c'est ça pour nous souvenir. Fait que là-dessus, je vous quitte et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin.